Ce lundi 16 octobre au soir, un attentat terroriste a eu lieu dans les rues de Bruxelles. Deux personnes ont trouvé la mort. En train d'assister à la rencontre de l'équipe nationale belge, le rappeur Romeo Elvis, frère de la chanteuse Angèle, a donc assisté à l'interruption du match pour raison de sécurité. L'horreur frappe à nouveau, seulement quelques jours après le terrible assassinat d'un enseignant dans un lycée d'Arras, pas de Calais. Cette fois-ci, si est-il la Belgique qui a été ciblée par un attentat terroriste, survenu lundi 16 octobre en marge d'un match international entre l'équipe belge et la Suède. Deux personnes d'origine suédoise ont été tuées par un homme armé qui a pris la fuite en scooter. D'après les dernières informations, l'homme de 45 ans, prénommé Abdesalem et d'origine tunisienne, aurait été arrêté, comme l'annonce le parquet fédéral. Hier soir, se tenait donc un match important pour les qualifications au prochain Euro, qui se tiendra en Allemagne en 2024. Dans le groupe F, la Belgique affrontait la Suède au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Rencontre au cours de laquelle l'attaque terroriste a eu lieu. Peu après l'attentat, l'homme suspecté des meurtres a pu prendre la fuite et se trouvait encore dans les rues de Bruxelles. La décision a donc été prise d'arrêter définitivement le match entre les deux équipes pour éviter tout risque de récidive du tueur. Un match auquel a assisté l'artiste Romeo Elvis, comme il l'a montré dans ses stories, qui sont à retrouver dans le diaporama, sur Instagram. Le frère de la chanteuse Angèle, avec qui il a collaboré sur le tube Tout oublié, est un immense fan de football et il ne rate que peu de rencontres de la sélection nationale. Le match arrêté à la mi-temps par sécurité sur les vidéos postées par Romeo Elvis, on peut voir qu'il s'identifie au stade Roi Baudouin et s'il n'indique rien concernant l'arrêt du match à la mi-temps, il a forcément dû vivre cette situation comme les milliers d'autres supporters. À la suite d'un attentat présumé terroriste à Bruxelles ce soir, il a été décidé après des consultations avec les deux équipes et les autorités policières locales, que le match de qualification à l'Euro 2024 entre la Belgique et la Suède soit arrêté, a déclaré l'UEFA, l'union en charge des matchs européens, pour justifier sa décision. De son côté, la Fédération suédoise de football a fait savoir sur X, anciennement Twitter, que la police belge avait demandé aux supporters de rester à l'intérieur du stade pour des raisons de sécurité.